monde profane recherche les choses à voir, à mesurer, à peser, à entendre, etc. Ce n'est pas le cas du tout du sage. C'est d'ailleurs ce qu'indique Fulcanelli dans ses ouvrages. C'est vrai, il dit la différence entre le chimiste et l'alchimiste, c'est que l'alchimiste, il se préoccupe de l'élément animateur de la nature, le feu. Et en ce sens, il est authentiquement religieux dans le sens ancien de la religion, c'est-à-dire qui a ce pouvoir, cette volonté sublime, définitive, imprescriptible, de changer les choses, chose que nous, on peut faire en l'imitant. Et en imitant, on fait de la chimie, jamais de l'alchimie, en reproduisant à l'identique ce que propose la nature, et en mettant les conditions les meilleures, qu'elle ne trouve que très rarement, là on a un rendement.